Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 9h. Voilà, je viens de faire rentrer les chichous il n'y a pas très longtemps. Parce qu'ils n'étaient pas sortis de la semaine et pour avec les travaux et tout ça, on n'a pas pris le temps. J'ai pas pris le temps de m'occuper d'eux. Donc là, ils se sont défoulés. Boubou, il a fait que des conneries. Comme d'hab. Et voilà. Donc, je vais vous raconter mon petit week-end en commençant mes premiers soins. Puisqu'après, on va tester. J'ai été à l'anniversaire de Amy dimanche. Et Manon m'avait pris la gamme à la pastèque comme ça. De chez Axiun. Puisque moi, je ne les trouvais pas. Donc, on va tester le... Il y a le... Il y a la crème et le sérum. Oh, décidément. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir tester le baume démaquillant. Donc, je vais tester ça après. Mais je vais d'abord commencer mes petits soins en vous racontant mon petit week-end. Qui a été super chargé. Je ne vous ai pas pris hier parce que ben, c'était repos. Très, 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 très repos. Donc vendredi, après vous avoir laissé déjà, j'ai fait un achat Vinted. J'ai fait une bonne affaire sur Vinted. J'ai commandé pour 70 € les 180 crayons brut fineur, plus les 50 métalliques brut fineur, plus les deux pochettes de rangement. Donc voilà, j'y gagne parce que les brut fineur en 180, ils sont déjà presque 60 balles, même sur Temu ou AliExpress et tout ça. Plus les 50 métalliques qui sont 20-25 €, ça dépend où, et les trousses qui sont pas données non plus. Donc je suis bien contente, je les reçois fin de cette semaine je pense, on va voir avec le férié, mais normalement oui. Et donc du coup j'ai fait une bonne affaire, ça me fait beaucoup de crayons, mais les bruts fineurs je vous les conseille à 1000%. Alors ça vaut pas les polychromos, on est d'accord, mais ils sont vraiment vraiment pas mal. Je vais vous montrer, j'ai fait des fleurs avec, rien qu'avec les bruts fineurs que j'ai déjà. Donc là les fleurs multicolores, les roses, ben, c'est que aux bruts fineurs et ils sont super pigmentés, il y a beaucoup de choix de couleurs. Là j'ai acheté sur Vinted, sur Vinted les 180 plus les 50 métalliques. Moi j'ai déjà les 72 macarons et les 80 comme ça. C'est avec ceux-là que j'ai fait les fleurs. Et je les aime beaucoup. Je préfère ceux-là au Black Edition là, de chez Faber-Castell. Même si je les aime bien ceux-là. Forcément, par rapport aux polychromos, ils sont moins crémeux, hein, ils sont plus secs. Mais rapport qualité-prix, franchement, la bombe. De la bombe. Donc voilà, franchement, si vous voulez beaucoup de crayons, et pour pas trop cher, et vous pouvez aussi trouver le format 520 crayons. Voilà, ça sera pour plus tard, hein, quand j'aurai commencé un petit peu à diminuer mon stock. Le soir, on a été au chinois avec mon frère et ma belle-sœur, pour remercier mon frère du coup de main des travaux. Alors attendez, je remets mes lunettes parce que je ne vais pas savoir lire. Oh, elle est partie en merdier le gros en haut. Je vais leur donner à manger. On va regarder à quoi ressemble le baume aussi. Essayer de le sentir. Il fait des bruits chelous en haut. Donc on a été manger au chinois. On a bien mangé, on a bien rigolé. Et tout ça, tout ça. Le samedi, j'ai fait les chouins. Les chouins. Putain, ça ne va plus. Les joints du placo avec chérie. Je l'ai aidé un peu comme je pouvais, sauf qu'au bout d'un moment, alors j'ai fait que ce qui était à ma hauteur, hein, là où je devais pas lever les bras parce que c'est juste impossible. J'ai fait ce qui était à ma hauteur et j'ai commencé à faire le bas. Après, je savais plus m'accroupir ou me pencher pour faire le bas, donc j'ai dit écoute, je fais que ce qui est à ma hauteur, je peux pas faire plus sinon je tombe. Donc il ressemble à ça le pot et l'intérieur. Oh, ils sont bons, ils tournent. Ils sont super bons.
Donc la prochaine fois que je me démaquille, je teste celui-là. J'en ai plein d'entamés, hein, mais j'ai envie de tester. Et j'ai recommandé 3 lips sur Amazon, donc j'en reçois 2 aujourd'hui. Alors, je vais arrêter de dire qu'il faut que j'arrête d'en commander, parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'en recommande. Donc j'en ai commandé, j'en reçois 2 aujourd'hui, et j'en reçois 3 jeudi. Donc je vous ferai les feuilletages, je pense, en musique, je ne sais pas encore, je verrai bien, si j'ai le courage de parler. Et... Moisturizer. Donc ça doit être le sérum. Donc bizarre, le sérum est plus haut que la crème. Les packagings sont très cute. Et voilà, donc je vous montrerai les livres quand je les aurai reçus. J'ai reçu avec la poste, donc vers 10h30 je pense. Je reçois un colis par PostNL aussi, c'est des trucs pour le swap que j'ai commandé sur AliExpress. J'ai également commandé sur AliExpress des blenders, parce que j'en ai un de chez Derwent, enfin j'en ai plusieurs, hein. J'avais commandé 2 lots de 4, enfin de 2 blenders plus 2 burnishers. Les burnishers j'aime moins, mais bon, il a pris un sacré coup dans la gueule, mais j'adore ce produit. J'avais commandé celui-là sur Temu, il y a 3 formats, c'est en papier et ça blende rien du tout. Donc j'ai recommandé des crayons blenders sur AliExpress pour comparer avant de racheter des Derwent si jamais ceux-là sont pas top top quoi. Donc voilà. Dimanche, on a donc été à l'anniversaire de Mimi Fofolle. On a passé une bonne petite soirée. Donc, j'ai testé le sérum. Hein. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Oh. Il est transparent et liquide. Il sent quand même un peu la pastèque. Et oh, il est bien hydratant. Ça fait comme de l'eau sur la face. Oh, j'aime bien. Oh, ça, j'aime bien. Et donc, on a passé une bonne petite soirée, on a bien mangé. Bon, j'étais beaucoup avec Manon, il y a Enzo et sa copine qui sont venus avec nous. Sam aussi, donc voilà, on était tous les 6 avec Chéri, puisque le chéri de Manon n'a pas pu venir pour surveiller le chien. Mais bon, Chéri s'est fait chier du coup, puis il n'y avait pas son pote. Mais on a passé une bonne petite soirée. On est rentré. À quelle heure on est rentré? On n'est pas parti hyper tard. Je crois qu'on est parti vers 1h. Parce que bon, on avait de la route et tout ça. Donc, bah, on avait moins de route que Bichette. Hein, mais après, j'ai attendu qu'elle rentre pour aller me coucher. Et hier, je vous ai affiché normalement quelques photos en même temps de notre soirée. Et hier, j'ai refait mes ongles au VSP. Pour l'instant, ça ne me gratte pas. Donc, pourvu que ça dure, j'avais très, très, très envie de refaire du 4 size. Donc, voilà. J'ai pas fait sur noir parce que je voulais pas avoir les ongles trop foncés pour l'instant. J'ai fait sur du rose. J'ai mis le 4 size et j'ai mis des water décales nuages et papillons par-dessus. Et j'aime trop. Voilà. J'aime beaucoup. Oh, Riley! J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, il y a toujours ma crevasse ici. Manon, elle m'a dit que c'était une crevasse, mais qui me fait super mal. Mais pour l'instant, ça ne me gratte pas. Après, j'ai pas utilisé de produit Madame Glam pour voir. Comme ça, la prochaine fois, je reteste du Madame Glam pour voir. La crème, elle est un peu plus épaisse. Elle le fait exprès. Ça sent bon. Ça sent bon. Elle est infernale en ce moment. Ça fait des jours, elle est insupportable. Et j'ai pas mis non plus le déshydratant et la base d'accroche, quoi. J'ai juste mis base, vernis et top coat pour pas mettre trop de produits sur mes ongles. Et voilà. Et pour l'instant, ça ne me gratte pas. Donc je suis super contente. Et oh, j'adore la crème. Oh là 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 là. Oh, quand je retourne chez Action, s'ils y sont, je me reprends du stock. Parce que j'aime beaucoup.
Et pour le prix, c'est 2 euros pièce, je crois, chaque produit, quoi. Oh, j'aime beaucoup. Il est super hydratant. Et j'en ai un peu marre d'utiliser la Pélouise parce qu'elle est très riche. En fait, en même temps, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas fait mes soins. C'est un truc de fou. Je ne prends absolument plus soin de moi. Donc, je vais remettre mon contour des yeux Pélouise parce qu'il y en a encore. Il y en a encore un paquet. Hein. Il est interminable, ce truc. Je vais aller leur donner à manger qui se calme et tourner ma vidéo de mercredi. Je vous ai fait un sondage sur Insta hier parce que j'ai plus de vidéos d'avance là. J'ai pris beaucoup de retard entre les rendez-vous médicaux et les travaux. Puisque je peux pas filmer comme je veux du coup. Donc je vous ai demandé si je faisais pas de vidéo ou si je faisais les colos terminés round 2. Après vous avez eu l'autre vendredi, hein, mais... je les avais terminés depuis plus longtemps que ça. J'avais juste préparé la vidéo à l'avance. Donc voilà. Vous avez voté pour les colos. Donc je vais tourner ça maintenant. Et voilà. Tout simplement. Je vais mettre le facteur. Après, il faudra que j'attende mon colis. Ah, il est ! Demain, il y a DG qui vient. Donc il faut que je nettoie. Parce que bon, c'est pas nettoyé depuis 15 jours. Que les travaux, ça fait quasi 15 jours qu'on est en route. Bon, il y aura le bordel, mais là, je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Donc, il faut que je nettoie absolument. J'aimerais bien nettoyer aujourd'hui. Comme ça, demain, je peux tourner le Disney Challenge avant qu'elle arrive. Sinon, ça sera jeudi avant que j'aille au scanner. Et il faut que j'aille samedi faire ma prise de sang, puisque du coup, je l'ai pas faite la semaine dernière, que chérie est en congé. Puisqu'il n'y avait que des petits vieux le vendredi. Eh bien, écoutez, les soins, je les valide à 100% aussi. Hein. J'aime beaucoup. Je vous dis, quand je retourne chez Action, je me reprendrai un petit stop s'ils y sont dans mon Action, parce que je n'ai pas toujours tout. Hein. La Belgique, c'est le trou du cul du monde, donc on a toujours tout après tout le monde, nous, les nouveautés. J'ai été en France aussi, dans un de ceux de France près de chez moi, là, et ils n'y étaient pas non plus. Donc voilà, bah, écoutez. Elle est tarée cette chaîne, mais complètement cinglée. Je vous jure qu'elle est dégénérée. Ben voilà, belle petite découverte, merci Bichette. Les packagings sont très simples, mais très cute. C'est en plastique, en plus, flacon pompe, j'adore. Et j'ai hâte de tester le baume démaquillant pour voir ce qu'il vaut. Donc, voilà, écoutez. Je reçois les livres aujourd'hui et je pense que je vais colorier déjà dedans ce soir. Donc, soit je filme... si je ne reçois pas trop tard, si mon facteur n'est pas en retard, je filmerai peut-être... tout à l'heure pour le rajouter juste après, sinon je le ferai demain matin et vous verrez un coloriage déjà entamé parce que je pense que je vais pas pouvoir résister à colorier dedans. C'est quoi le thème? Je ne sais même plus. Hein. Je vous le dis, j'en attends 5 sur Amazon et j'en attends encore plusieurs aussi chez. Donc celle de 3 que je dois recevoir jeudi, c'est Dark Fantasy Magical Fairy Home. Ça j'adore, c'est plein de petites maisons, j'adore colorier ça. Fairy et Fantasy pour adultes avec des animaux. Non, on va pas y arriver. Hein. C'est un monstre. Et là aujourd'hui j'attends, ah oui, God Fairies and Baby Dragons, ça va être trop beau, et Fantasy Creature, Kawaii. Cute Dragon, Unicorn et Mythical Animal. Il y a du Grayscale dedans, donc ça j'aime beaucoup, ça m'évite de faire les ombrages. Et sur Temu, je ne sais plus ce que j'ai commandé. Ouais, hein, je vous balance. De toute façon, il y aura le haul. Enfin, les hauls. Je vais tourner, je vais faire
Oh, le spécial livre, et puis après je tournerai le matos parce que j'ai commandé un avec des sirènes parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de sirènes. Un avec des fées parce que j'avais pas de fées non plus. J'en ai pris un, c'est des Dorway, Magical Dorway, donc des portes magiques, des portails magiques. Fées gothiques et dragons et forêt enchantée. Donc là, c'est encore des animaux. J'en note encore un autre, je crois. Ouais, sur des sorcières. J'adore les sorcières. J'adore colorier les sorcières. C'est vraiment un truc que j'aime faire. Mais là, c'est plus un peu plus dark en fait. C'est des sorcières un peu plus dark. Et puis un peu plus. Celle que j'ai, moi, c'est quasi. C'est que des portraits ou des en pied, quoi. Enfin, le corps entier. Là, il y a des. Il y a des pardeux, il y a des avec des balais, vous voyez, un peu plus fantasique. Fantasique. Fantasy. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous rajoute après le feuilletage des livres, si je les tourne maintenant, sinon je vous les montrerai demain matin. Et sinon, bah, ensuite le jour, et voilà. Donc voilà, j'ai reçu mes bouquins, il est 10h30, donc. On va regarder ensemble. Après, je mange et je vais me coucher. Sam vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il finissait à midi. Enfin, qu'il rentrait à midi. Je lui ai dit non, il m'a dit si. Oh. Donc, il y a le Fantasy Créature, comme ça, de Lily May Colors. Et le God Fairy and Baby Dragon, Adult Coloring Book. Je ne sais pas s'ils disent de qui il est. Adorable Bubble. Alors, on va commencer par celui-là. Elle m'énerve. Je vous jure qu'elle m'énerve. Riley! Je n'en peux plus, elle m'épouse. Alors, on va regarder ça ensemble. On va regarder lesquels je préfère. Donc voilà, avec toutes les infos pour faire les tests. Bon, on s'en fout un peu. Alors, ici, tout d'abord, on a une petite licorne dans une bulle avec un papillon. Mignon. Ah, c'est pas mal. Alors, celui-ci, j'adore, mais bien sûr, je ne vais pas m'amuser à faire les petits détails. Hein, mais j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à un axolote, dragon axolote. Voilà. Les petits détails, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de fleurs. Ouh, celle-là, elle est jolie. Ah, oh, c'est très beau qu'il fasse un petit dessin. C'est totalement inutile, hein, mais c'est très beau. Oh, bah vrai, aidez-moi. Celle-ci est vraiment jolie. Celui-ci, j'adore. Donc, ça, c'est pour faire un beau fond. C'est amusant. Ça, c'est un poisson, on dirait. Poisson papillon. Ben non, c'est des fleurs. Je ne sais pas trop ce que ça représente, mais c'est très beau. Oh, celui-là est très, 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 très beau. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Oh, celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Avec la queue en forme de feuille, comme ça. C'est très joli. Celui-ci, j'aime bien aussi. Puis, je vais bien m'éclater avec les détails. Oh, celui-là est très joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, il y a plein de détails. Ça, j'aime beaucoup. Il y a de quoi faire un fond autour. Nickel. Oh, celui-ci, il a l'air tout triste, tout net. J'aime bien. Trop fort, celui-là. Trop fort. Cochon, chauve-souris, papillon, on ne sait pas trop. Une jolie petite licorne. Oh, oh, magnifique. Magnifique. Il est sublime, celui-ci. Pareil, il y a beaucoup de détails. Donc, bien sûr, le style un peu mandala, comme ça, moi, ça me gave à faire. J'en ai fait trop, je crois. Donc, ça sera uni. Mais les détails resteront. Oh, sur fond noir, il est très joli. Celui-ci à faire au métallique, je pense. Ça sera beaucoup plus joli. Vous voyez, pareil, ce genre de détails, je n'aime pas du tout. Et m'amuser à les camoufler, je ne pense pas que j'aurai la force. Celui-ci aussi, très joli. Oh, il est trop mimi, celui-là. Trop mimi. Ouais, sympa, original, très joli, celui-là on dirait un caniche, ah, celui-là j'aime beaucoup aussi, un peu lézard comme ça, oh celui-là j'adore, il est très beau, ouais, une petite fée, sympa, oh, ceux-ci sont très beaux aussi, c'est juste vraiment dommage qu'elle ait des détails comme ça, un peu trop de détails en fait, à l'intérieur. Oh, très joli. Oh, ce cochon. Je vais le faire pour Alice. Obligé. Oh,
Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien faire ce genre de colo. Le petit mouton sympa. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Très joli. Bah, après, vous savez que j'aime beaucoup les dragons. Celui-ci, il a une bonne bouille avec sa petite crolette sur la tête. Hein. Ça, j'adore. Alors, celui-là, j'adore aussi. Petit chien. Celui-ci aussi, très mignon avec son smartphone. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs. Là, c'est les carrés et là, c'est les autres. Hein. Il y a plusieurs modèles. Il y en a plusieurs, hein, des créatures comme ça. Il y a encore une page que j'arrive pas à choper. Elle veut pas. Hein. On l'a pas vu celui-là. Celui non plus. Ah, ah non, c'est dans celui-là. Ah, celui-là, il est dans mon panier Amazon aussi. Mais bon, on va déjà essayer d'en finir un, parce que là, il y a quand même... combien est-ce qu'il y a de dessins? Je ne sais plus, 50, je crois. C'est pas noté. Je ne sais plus si c'est 50 ou pas. Bref, mais j'aime beaucoup. Très sympa. Je peux peut-être vous donner les prix, d'ailleurs. Attendez, il faut que je quitte ma série qui est en pause, là. Et on a celui-ci. Oh, celui-ci, j'ai craqué sur les modèles qu'ils ont montrés sur le truc. L'autre, ils sont à 8 euros tous les deux. 8,01 € et 8,06 € quoi. Mais voilà, ils sont à 8 euros. Donc, God Fairies and Baby Dragons. Il n'y a toujours pas. Ah, mais c'est peut-être noté. Attendez, je vais suivre mon colis, même qu'il arrive. Oh, trop petit. C'est peut-être noté hein, le nombre de dessins quand je regarde ici. Ici c'est 40. L'autre ça n'a pas l'air d'être noté. 40 aussi. Les deux c'est 40 dessins. Oh, celui-là très joli. J'aime beaucoup l'ensemble des deux. Ça aussi. Ah, c'est sympa. Deux têtes. Alors, ouais, ça a l'air d'être la maman dragon et le bébé dragon. Je sais pas trop. Ah, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Bon, pour moi, c'est pas vraiment un dragon, hein, mais c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien aussi. Celui-là, j'aime bien aussi. Les petits détails dans les cheveux, là. Il est énervé, celui-là. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, celui-ci est trop kiki. Elle aussi, elle est jolie. Elle a l'air triste. On dirait qu'elle va pleurer. Mais le dragon est très beau. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Elle aussi, elle a l'air d'avoir envie de pleurer. Ça, j'aime bien aussi. J'ai pas fait encore de petit garçon. J'ai pas encore colorié. Bon, là, pour moi, ça ressemble plus à un lutin qu'à un dragon. Mais c'est joli quand même. Ah, celui-ci est très beau. Les détails... Très joli. Celle-ci, elle a une tête un peu chelou. Ça, j'aime bien aussi. Mais ils ont l'air tristes, hein, moi, je trouve, les filles, là. Ah, celui-là est très beau. Bah, après, pareil, ça ressemble à un bébé, pas un dragon. Il faut arrêter 5 minutes. Hein. Bébé dragon. Oh, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup aussi. Un peu steampunk, comme ça, j'aime bien. Il est fâché. Oh, ça c'est très joli. Ça aussi. Oh, il faut qu'elle prenne les jouets qui font du bruit. Ça aussi. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Bien qu'il ait une tête de grenouille. Là, vous voyez, c'est un bébé, quoi. C'est pas un dragon. C'est un mélange bébé versus dragon, mais bon. Ça sera joli une fois terminé. Là, c'est un Pokémon. J'aime beaucoup en armure guerrière un peu céleste comme ça. Bon, par contre, les ailes, on comprend pas trop. Ça aussi, j'aime beaucoup la queue. Bon, la tête est un peu chelou. C'est très joli aussi. Celui-là aussi, mais ils ont l'air soit tristes, soit fâchés. Oh, celle-là, j'aime bien aussi. Celle-là aussi. Dragon en robe. Hein, écoutez, pourquoi pas. Voilà, je préfère ce genre de dessin-là parce que le dragon est plus
dragonique, mais elle a l'air triste. Hein. Oh, ça j'aime beaucoup. Et voilà. Bon, ils avaient quand même l'air plus beaux sur le truc. Je ne sais pas pourquoi, ça m'avait plus accroché. Mais c'est quand même sympa. Et vous voyez, vous avez encore des petits... bah là, c'est à chaque fois le même, quoi. Mais pour faire les colos, sympa. Oh, pour 8 euros, écoutez, j'ai envie de vous dire... et vous voyez, une fois colorié, on voit peut-être mieux ici. C'est différent, donc... tatouage, c'est une petite fille avec un tatouage. Donc, à voir une fois terminé ce que ça peut donner. Mais je pense que ça peut... celui-ci est vraiment très, très, très joli. Ça peut donner des jolies choses. Donc, voilà pour mes petits bouquins. J'ai hâte de recevoir les autres jeudi. Oui, effectivement. Il faut que j'arrête d'en commander, mais à chaque fois que je dis ça, j'en recommande. Donc, je vais arrêter. Voilà, je vais pouvoir m'amuser ce soir... Ah, celui-ci, c'est de... Ouais, Lily May Colors, je l'ai dit. C'est sur l'autre que c'était pas noté. L'autre, c'était qui? Attendez, je regarde par rapport à la boutique. Ouais, Adorable Bubble Coloring. C'est ce qui était marqué à l'intérieur. Et voilà. Bon, sur ce, on peut switcher de jour. Et j'ai hâte d'attaquer ça ce soir. Alors, il est 9h40. Et voilà. Je vous ai pas pris hier parce que le matin j'ai pas arrêté jusqu'à ce que DJ vienne. Puis DJ est venu, puis DJ est parti, j'ai mangé, j'ai été me coucher. Voilà. Je lui ai donné son cadeau d'anniversaire à l'avance. On le fête dimanche prochain, mais je lui ai donné à l'avance. Parce que j'avais trop envie de lui donner. Et elle a beaucoup aimé. Donc voilà, voilà, je suis contente. Tout à l'heure, j'ai mon scanner. Il ne faut pas que j'oublie de demander quand est-ce que mon docteur aura les résultats pour que je puisse prendre mon rendez-vous chez le médecin. Samedi matin, j'irai à la prise de sang en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce qu'après, ils doivent attaquer le reste de la salle de bain. On n'a toujours pas reçu la note d'étanchéité, d'ailleurs, qu'on devait recevoir normalement hier. Mais bon. Sinon... qu'est-ce que je vais vous dire? Je reçois mes livres aujourd'hui, mes trois autres livres d'Amazon. Donc, je vous filmerai comme j'ai fait pour les autres avant le feuilletage. Et par contre, ceux d'avant, j'ai pas gardé le Gotten Fairies là. Et, non, c'est le Gotten Dragon que je vais recevoir. J'ai pas gardé le Fairies and Baby Dragon, puisque les dessins n'étaient pas top top. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais commandé un qui était très similaire, mais avec des dessins plus beaux. Oui, voilà. On cherche pas à comprendre. C'est comme ça. Là, j'attends toujours de recevoir ma prime pour pouvoir commander mon nouveau PC. J'ai toujours pas eu ma prime. Et puis c'est tout. J'ai vraiment pas grand chose à vous dire cette semaine. Hein. Enfin, comme toutes les semaines en fait. J'ai pas de vie. J'ai même rien à raconter. Moi j'ai pas de vie. Je ne fais rien. Je souffre. J'ai eu du mal à dormir. J'ai pas bien dormi cette nuit par contre. Pourtant j'ai pris mon cachet et tout. Mais est-ce que c'était pas la pleine lune? Chaque fois je dis ça, mais c'est pas la pleine lune en fait. Hein. Ah, c'est ce soir. Voilà. Ceci explique cela. Donc ce soir, j'ai encore mal dormir. Et ouais. Je viens de répondre à un mail pour un partenariat qui j'espère va aboutir. Donc je ne dis rien pour pas me porter la poisse et pas crier victoire trop vite. Hein, parce qu'avec toutes les arnaques qui circulent, on ne sait jamais. C'est arrivé plusieurs fois que je ne reçoive pas les produits qu'on me propose. Donc... je vous en parle en principe que quand je les reçois. Mais j'espère que ça va aboutir. Voilà. Sinon... bah non, en fait, j'ai rien à vous raconter. Ma vie fait pitié. Je réflecte, hein, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment rien à vous dire.
J'espère ce week-end que ça sera vite terminé, là, que je puisse ranger ce bordel là. Enfin, que chérie puisse ranger ce bordel là. Pas moi. Mais sinon. Ah oui, le scanner. Je vais être à jeun à partir de 11h30. Donc, c'est un super horaire, puisque comme ça, je vais manger vers 11h. Après, je vais me coucher. Je me lève, je me change. J'attends chérie et je file au scanner en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard. Je me tâtais, enfin je me tâte encore d'ailleurs, à prendre un coloriage avec, en fait, à faire un coloriage là-bas dans la salle d'attente, parce que la dernière fois ils avaient une heure de retard pour la gastroscopie, donc je me dis si là c'est pareil. Puis après je me dis il suffit que je prenne tout, que je m'installe et puis que ben que je passe direct. Je sais pas quoi faire. Je vais voir après. Il faut que j'aille me chercher un petit shorty. J'aime pas me mettre en culotte pour les scanners, les radios et tout ça. Là, je ne sais pas si je devrais. Enfin, oui, forcément, puisque je peux pas rester avec mon pantalon. Il faut que j'enlève tous mes bijoux. Bon, bah, écoutez, on va commencer par les bagues déjà. C'est vrai, il faut que j'enlève tous mes bijoux. Bon, bah, à part celle-là, parce que normalement, je ne sais plus l'enlever. Depuis très, très, très longtemps. Oh, j'ai les doigts qui ont gonflé en plus. Ça arrive souvent le matin. Mais vous voyez, celle-là, elle passe plus mon os. Je sais pas pourquoi c'est à l'os que ça coince. Si je force un peu, elle doit savoir passer. Mais après, j'ai peur de pas savoir remettre. Ah si, voilà. Attendez. Ah non, je suis coincée. Aïe. Voilà. Les bracelets, ça va être extrêmement chiant. Je vais enlever ma chaîne aussi. Comme ça, j'oublie pas de le faire et je dois pas enlever tout sur place. Et les laisser traîner dans ma cabine, parce que j'ai horreur de ça. C'est toujours là qu'après, vous en perdez un, ou que quelqu'un se trompe de cabine et voit les bijoux. En principe, je les planque, hein, mais je préfère les enlever à la maison et les laisser en sécurité à la maison. Alors, je pense à installer la cage pour Yuki. Les chichous vont encore croire que c'est pour eux. Il y a un titi qui est réveillé, mais il est planqué. Ça doit être Silver. C'est qui qu'elle a ? Coco ? Oh, vu la petite tête, ça doit être Silver. Oui, dis-moi, bébé. C'est toujours toi qui es réveillé, hein ? Bon, oui. Ou c'est Suzy ? Non, c'est Silver. Ou Coco ? Non, ça doit être Suzy. Ils se ressemblent tous maintenant. C'est plus les différences. À part Silver, parce qu'il est bossu, mais sinon, les autres, les trois autres. Ils ont la même taille. Bon, les deux gros sont très gros. Ils sont obèses. C'est vrai que j'essaie de vous les remontrer une fois. Ça fait longtemps que vous les avez pas vus. Là, j'aimerais bien que chérie me sorte cette foutue cage pour me la laver au Karcher. J'arrive pas à enlever mon bracelet avec ma main gauche. Et en plus, j'en ai deux à ce poignet-là. C'est plus facile à enlever qu'à remettre hein, en même temps. Ce soir, chérie sera là pour me les remettre. En voilà un. Et le deuxième. Qui est le dernier. Oh, j'aurais rêvé. Alors, les piercings, j'en rêve pas. Hein. Ça, c'est même pas en rêve. Ils sont fermés avec des pinces. Je vais pas réussir à les rouvrir. Et puis, j'en ai pour 3 heures à les enlever et à les remettre. Hein. Ça, j'en rêve. Oh là là, qu'est-ce que. C'est là qu'on se dit que les ambidextres, ils ont de la chance. Ça va tout faire des deux mains. Voilà. Maintenant, j'ai plein de bijoux sur mon bureau. Ça fait drôle. J'espère qu'ils vont rien dire pour le vernis. Et maintenant que je viens de les refaire en VSP, c'est pas pour les enlever. Hein. Et j'ai toujours pas de cratouille, rien. Hein. Donc la prochaine fois, je réessayerai avec un Madame Glam pour voir si c'est Madame Glam qui me cause des soucis de gratouille ou pas. Ou si c'était vraiment une réaction post-mycose. J'ai les ongles dégueulasses, comme toujours. Mais je suis contente. J'ai pu remettre du VSP. Contente. Voilà. Bon, ben moi, je vous reprends sur le bureau quand j'aurai reçu mes bouquins. Comme ça, on feuillette ensemble. Et on regarde lesquels sont les plus beaux. Et voilà. J'aime bien faire ça avec vous. C'est sympa de découvrir les nouvelles choses.
Alors, on m'a demandé sous la dernière vidéo, c'est Christine, je crois, qui m'a demandé ça. Je vérifie parce que j'ai toujours peur de dire une bêtise. Il me semble que c'est Christine qui m'a demandé de faire des têtes de mort. C'est elle, hein, qui a fait de têtes de mort. Oui, vous m'excusez, hein, parfois je. Oui, c'est bien Christine. Je savais que c'était elle qui était fan de Tête de Mort. Mais parfois, je confonds un peu les pseudos. Hein. Ça peut arriver. Voilà, vous êtes nombreux quand même. Donc, alors, bien sûr, j'ai mon colis Temu. Donc, c'est une commande. J'ai reçu une commande alors que j'en avais d'autres en attente qui arrive aujourd'hui. Et donc, moi, forcément, je l'aurai que demain, voire peut-être après-demain. Puisque aujourd'hui, il va certainement se pointer quand je ne suis pas là. Sauf si je rentre tôt et qu'il vient tard. Mais comme je ne sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer, je dois être là-bas à 3h. J'ai rendez-vous à 3h20. Je vais y être à 3h parce que pour voir s'ils doivent m'injecter le produit ou pas. Et alors, le scanner en lui-même, ça va vite. C'est la salle d'attente qui est toujours longue. Donc ben, j'espère que ça ira vite quand même. Normalement, ils sont méga organisés, mais le gastro, la dernière fois, je sais pas ce qui. Il a foutu là, pourquoi c'était à 10h du matin, il avait déjà une heure de retard, donc imaginez-vous là à 3h30. Et si en plus il y a des urgences, ben ça passe en priorité quoi. Donc voilà, ce que je trouve un peu dégueulasse. Il devrait garder un scanner et un médecin. Je sais pas si... oui, c'est des médecins, hein. Je suppose qu'ils font les scanners et tout ça, enfin, ou le technicien, je ne sais pas quoi. La personne apte à faire les scanners, il devrait en garder un d'urgence, en fait, justement, pour les urgences. Comme ça, les patients qui ont rendez-vous ne doivent pas attendre non plus. Tu vas pas te garer là, madame? Ah, ben, si. Devant ma porte. C'est peut-être la voisine qui reste pas longtemps. Oui, je fais ma Gisèle, mais j'en ai marre que les gens se perdent devant ma porte. Samedi, madame. Ah, je crois qu'elle rebouge. Elle a dû voir qu'une place s'est libérée ailleurs. Oui, elle se bouge. Ah, elle recule. Je vous jure, les gens. Ouais, donc je reprends tout à l'heure. Voilà. Donc il est 10h30 et j'ai reçu mes bouquins. Donc j'espère que ça sera bien cadré. Donc on va admirer ça tout de suite. Il y a beaucoup de pages, hein. Ils sont assez épais. Je suis contente. Donc il y a d'abord le Fairy House. Voyons voir. Voyons voir. Donc ça, c'est pour les tests. Hein. On s'en fout un peu. Oh, j'adore. J'adore colorier ce genre de truc. Oh, c'est là beaucoup de détails. J'aime beaucoup. Alors, on va peut-être pas faire toutes les pages ici parce que, vous voyez, bon, c'est relativement tout le temps la même chose. Mais je vais... Oh, c'est là aussi beaucoup de détails. J'aime beaucoup. Truc noir, donc mettez bien quelque chose pour derrière, parce que sinon ça transfère sur le dessin en dessous. Hein. Alors il y en a des assez simples, mais il y en a des... oh, c'est là aussi très joli. Ça aussi c'est joli, j'adore quand il y a plein de détails comme ça. Ça aussi c'est beau, oh là là, j'adore. Oh. J'aime beaucoup, je suis contente. Il est magnifique. Très beau livre. Voilà, c'est tout le temps la même chose, donc on va pas les regarder toutes. Hein. Alors, on va passer au Fairy and Fantasy. Donc, c'est fées et compagnie avec des animaux. J'ai craqué sur quelques images que j'ai vues, notamment déjà la première. Hein, c'est très beau, c'est une page de test. Hein. Donc là, je ne sais pas trop si c'est un ours ou un loup. C'est un ours. Là, il y a des gnomes. Oh, ça, c'est très beau.
Par contre, vous voyez, on ne sait pas trop. Bon, celle-ci est très belle. Alors là, il y a des dessins sur l'autre côté. Bon, c'est très inutile, hein, mais. Oh là là, j'adore. Oh, il est belle. Hein. Vous voyez, pas avec les animaux, en fait. Hein. Oh, c'est un style démoniaque, là. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Ça, c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup aussi. Oh, magnifique. Quand mon frère va le voir, il va me le chiner, celui-là. Une fille papillon. Trop fort. Oh, très beau. Les animaux sont bien faits. Un ange. Un loup. Elle est très belle aussi, celle-ci. Un loup-garou. Encore un lion. J'espère qu'il y a autre chose que des lions. Ça aussi, j'aime bien. Des petits papillons. Oh, oh là là, oh là là. Magnifique. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte de le faire. Il est sublime. Un espèce de... C'est pas un ogre, c'est pas un troll. C'est un Merlin enchanteur guerrier. Encore un gnome. Une avec un dragon. Il y a pas mal de comme ça, j'aime bien. Oh, avec le serpent, c'est beau aussi. Avec un cheval. Avec des chats. Elle est très jolie. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. J'irais plutôt une chimère. Je pense que je le ferais plutôt en tant que chimère, un truc comme ça. Une espèce de griffon. Oh, elle est belle, elle. Aussi un peu dans le style dark. Oh, ça c'est beau. Ça j'adore. Encore avec un loup. En plus, ils sont géants. C'est trop beau. Oh, elle est belle. Encore un dragon. Encore un visage d'arc comme ça. J'aime bien. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Joli. Ouh, celle-ci aussi, elle est mignonne. Ok, ben celui-là, j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que celui-là est magnifique. Hein. Enfin, ils sont tous sublimes. Hein. Et ensuite, j'ai pris le Magic Fairy and Fantasy de Magali et Florent. Voilà. C'est vraiment de l'heroic fantasy et j'aime trop. J'aime trop. J'aime beaucoup la bordure aussi. Oh, regardez comme elle est belle. Mais c'est très grayscal, donc pas toujours facile à un ogre. À dessiner, à colorier, à chevalier. Un poulpe. Un je sais pas quoi, mais très intéressant. Merlin l'enchanteur ou Gandalf, au choix. Oh, ça, j'adore. C'est trop beau. Oh, celui-là est magnifique. Bon, ça avec un œil, c'est un peu bizarre, mais l'image est très belle. Puis c'est des enfants, c'est rarement des enfants. Un chevalier. Celui-là, on dirait Chiron. Un ogre. Un magnifique clou. Ça, c'est très beau. Ça, c'est beau aussi. Ça, c'est le genre de dessin que j'adore, ils sont magnifiques. Oh, celui-là est trop beau. Celui-là, c'est celui de la couverture. Non, mais je l'ai vu... sur les images, et j'ai craqué dessus. Un Gandalf qui a pris un coup de vieux. Un Sauron. Non, comment est-ce qu'il s'appelle? L'autre, le premier magicien blanc. Oh merde, comment est-ce qu'il s'appelle dans Le Seigneur des Anneaux? Je ne sais plus. Ah, ça, j'aime beaucoup aussi. Ça fait très un peu Witchcraft comme ça. Pas Witchcraft. Oh, The Witcher. Bon, c'est pas Hamlet, mais bon. Oh, magnifique. Sublime. Ou un chevalier, tout ce qui est plus simple. Ça aussi, c'est beau. Ouh. Un roi. Oh. Très beau, monsieur. Très bien fait.
C'est les rois machin. L'armée. Encore un troll. Un vilain sorcier. Un chevalier, un château. Oh, ça c'est beau aussi. Il y a tout de petits détails comme ça à faire. Les rois mages. Encore un chevalier. Celle-là aussi. Oh, j'ai craqué dessus, je la trouve trop belle. Magnifique. C'est Aragorn. Oh, ça aussi j'aime bien. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Un gobelin. Un chevalier à cheval. Encore un chevalier à cheval avec un château. Encore un chevalier. Et beaucoup de chevaliers, c'est dommage parce que c'est pas ce que je préfère, mais ça j'adore. Ça aussi c'est très beau. Encore un chevalier. C'est dommage qu'il y ait autant de chevaliers par contre. Hein. J'aime bien qu'il y ait des dessins de dos comme ça, c'est original. Encore un de dos. Bah écoutez, j'aime bien. C'est juste dommage qu'il y ait beaucoup de chevaliers. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Après, c'est intéressant. C'est pas ce que je ferai en priorité. Hein, mais il y en a des sympas. Si, ça, par contre, ça me dérangera pas. Il y a beaucoup de chevaliers, mais ça, c'est très beau. Il y en a vraiment des très beaux. Vraiment dans l'univers... Bon, là, ça fait très Dragon Ball, on est d'accord, mais le reste, ça fait quand même très... Heroic Fantasy, oui, mais ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, je trouve. Dans l'univers un peu du Seigneur des Anneaux. Ouais, bah écoutez, je suis bien... Oh, elle est sublime. Hein. Je suis bien contente. Voilà, maintenant, j'attends de recevoir ce Temu, et puis je me calme hein, quand même avec les bouquins, hein, même si j'en ai... Sur Amazon France, dans cette catégorie-là, j'en ai, je crois que j'en ai au moins 30 dans mon panier. Mais il faut que je me calme, hein, il faut que j'achève quelques-uns avant de recommander, parce que là, j'en ai vraiment beaucoup. Et voilà, mais bon, vous connaissez, hein, quand j'ai une nouvelle lubie, c'est comme ça. Donc, sur ce, on peut switcher de jour, et demain, si j'ai des nouvelles directement de mon scanner, je vous dirai ça. Sinon, il faudra attendre que j'aie pris mon rendez-vous chez le médecin. Et voilà. Donc, on switch de jour. Ah, ça va plus du tout, ce bouton. Hein. Ça, c'est plus un bouton, mais non, c'est juste une trace. Alors, il est 9h24. C'est à prévoir. Je refous mon petit plaid sur mes genoux parce que je suis gelée. Mais alors vraiment, vraiment gelée. Il fait 12 degrés dehors. Et ouais, le plus qu'il prévoit aujourd'hui, c'est 16 et encore. Bref. Voilà. Mais j'ai froid. Je n'en peux plus. Franchement, j'hésite même à allumer le poêle, mais j'ai la flemme de l'aspirer en vrai. Donc du coup, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Enfin, je vais commencer à prendre mon petit déjeuner. De la pastèque et de la fraise. Alors. Hier, pour le scanner, ça a été hyper vite. Je suis arrivée, je me suis inscrite, je me suis assise 5-10 minutes. Ils m'ont appelé, j'ai fait le scanner 10 minutes, je suis ressortie. Sauf que chérie m'a dit, pendant que tu es au scanner, moi je vais chez Hubo chercher du compactum. Oui, ça me fait rire le mot. Hein. Du compactum. Et j'ai dû l'attendre une demi-heure devant l'hôpital. Bon voilà, j'étais ravie pour une fois que ça allait vite. Entre temps, je devais recevoir mon colis Temu, enfin un de mes fameux colis Temu. Alors je lui disais, dépêche-toi, comme ça je rentre à temps pour mon colis. On me dit, ouais, mais on va d'abord aux courses. J'ai dit, putain, j'ai raté mon colis. On va aux courses. Colis toujours pas arrivé, donc j'étais content. Je dis, bah cool, je serai à la maison. Et le soir, c'est marqué colis livré dans la boîte aux lettres. Et voilà. Évidemment, je savais qu'elle rentrait pas dans la boîte aux lettres. Oh, pas de colis.
Donc maintenant, j'attends de voir si je le reçois aujourd'hui. Sinon, on va encore déposer une réclamation. Ah, je vous jure, colis privé, c'est... Il m'énerve. Donc voilà, le scanner, ça s'est bien passé. Demain, j'irai faire ma prise de sang. Et comme ça, je pourrais prendre rendez-vous. Après, je crois que la prise de sang, ça va relativement vite pour que le médecin ait les résultats. Donc, je vais essayer de voir pour prendre rendez-vous pour vendredi prochain chez le médecin pour avoir tous mes résultats d'un coup. Il y aura que la biopsie de l'estomac que j'aurai pas les résultats parce que ça peut prendre 3 semaines. Donc là, je vais. Je retéléphonerai parce que comme il n'y a rien d'inquiétant de base. C'est surtout le scanner qu'il me faut la réponse là, pour que j'évite de trop stresser. Et ce week-end, normalement, ma salle de bain sera terminée. Enfin, j'ai hâte. Les fraises sont un peu acides, mais alors la pastèque est super bonne. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Hier, j'ai reçu... mes crayons que j'ai commandés sur Vinted. Donc je vous montre juste la pochette comme ça, vite fait. Donc voilà, dans une grosse pochette comme ça, il y a encore l'autre avec les métalliques. Et c'est les Brutes Funeur 180. Alors j'ai dû tout réorganiser parce que les crayons étaient rangés. Il y avait du vert sur chaque feuillet et tout. J'ai pas trop compris comment la madame elle les avait rangés de base. Je sais pas comment est-ce qu'elle s'organisait. Après, ils n'ont pas été beaucoup utilisés. Donc, j'ai refait aussi le... j'ai fait le nuancier. Donc, voilà. Bon, après, vous verrez mieux dans le hall. Hein. Ça, c'est tout le nuancier des 180. Ah, là, c'est les macarons. Donc, des Brutes Funeur, j'en ai quand même pas mal maintenant. Hein. Mais je ne sais pas si vous allez voir la qualité. Voilà. Franchement, pour le prix, je les aime beaucoup. Tarés ces chiens, bien évidemment je filme, donc ça fout le bordel. J'attends ma commande Chine aussi. Normalement elle va arriver que la semaine prochaine, et là je la reçois aujourd'hui. J'ai reçu le mail de GLS, donc bah, je suis contente. Après il n'y a rien pour moi, donc si, des piercings. J'ai recommandé des piercings bah, comme les couverts. Mais c'est pour le choix. Donc je vais pouvoir emballer ça. Soit il y a la quotidienne de Secret Story avec l'élimination. J'achète. Le pire c'est que je suis crevé. Pourtant j'ai bien dormi. Je suis monté tôt et je me suis levé. Bah, je me suis levé tôt, mais je me suis levé par moi-même. Personne m'a réveillé. Et si, j'ai été réveillé, j'ai été effrayé par la douche. Je sais pas pourquoi, pourtant, Jerry prend la douche tous les matins, même que je dors et je n'entends pas. Et là, j'ai été effrayé par le bruit de la douche. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que j'ai pris mes cachets, moi, ce matin? Bah non, même pas. Je n'ai même pas encore pris mes cachets. Oh là là. Je vais m'étonner que j'ai l'estomac en feu. On est des jours. On est vendredi. Voilà. Deuxième partie de mon petit déjeuner. Et ouais. Faut que je clipote. Le dessert le soir est moins copieux. La pastèque, c'est genre que je me l'ai coupée. Hier soir, il m'a coupé mon petit bol de pastèque. Oh ben non, parce que sinon, il va encore tout bouffer, j'en aurais pas. La dernière fois, j'ai eu ça de pastèque sur la grosse pastèque, et là, c'est une plus petite en plus. Bref, bref. Bon, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Enfin, surtout que je vous dise pour le scanner que ça s'était bien passé. J'ai même rigolé parce que. Elle me dit, bah, il suffit juste d'enlever le soutien-gorge. Le reste, on pouvait tout laisser.
Ouais, j'ai écouté, j'ai une brassière, je vais me mettre en brassière, ce sera beaucoup plus simple. Elle me dit, ah oui, parfait. Donc, je me mets en brassière. Puis, elle me dit, il faut lever les bras au-dessus. Alors, j'ai super mal en plus quand je lève le bras. au-dessus de la tête. D'accord. Puis, je regarde sous mon aisselle et je vois des petits poils. Je fais, oh. Ah, elle me dit, oula. Elle dit, vous savez, ici, on voit bien pire que quatre petits poils. Hein. Oui, mais bon. Alors, je rigolais. Voilà. J'imaginais trop après. Hein. La grosse toupette. Après, chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord. C'est juste que moi, je pourrais pas. Bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de rien foutre. Ben, de toute façon, je pourrais pas foutre quelque chose parce que j'ai la flemme puissance 20, là. 20 000 même. Donc, sur ce, ben, je vais vous laisser. Alors, je pensais que le vlog était hyper court parce que je vous ai pas pris tous les jours. Et au final, ben non, il n'est pas si court que ça. Attendez, je me gratte. Je crois que j'ai été piqué. J'ai un petit bouton qui gratte là. Et là, j'ai la cicatrice de bouton. Je vais peut-être remettre un patch, tiens. Faut que je retrouve mes transparents parce que je ne peux pas me balader avec un petit monstre sur la face la journée, quoi. Mais j'ai gratté, hein. Enfin, bref. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et du coup, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.